Bonjour chers auditeurs de l'ODJ Média, notre internaute invité, Aziza Benkiran, partage sa réflexion dans un article qu'il a intitulé « De l'inflation à la Troisième Guerre mondiale » qu'on écoutera ensemble dans ce podcast. Notre docteur commence par expliquer au début de son article « L'Occident malade, fondamentalement antisémite, contre juifs et musulmans, qui a été capable de pourchasser, déporter et gazer 6 millions de juifs, et créer l'apartheid entre deux peuples, veut sacrifier la Palestine, et Israël, pour rebattre ses cartes économiques, ses industries d'armement ?» Notre internaute invité, Madame Aziza Benkiran, approfondit sa réflexion de la manière suivante. Ce qu'il n'a pas pu mobiliser avec la guerre Ukraine-Russie, malgré la crise du blé, il veut pouvoir le faire, en soutenant inconditionnellement le régime génocidaire de Netanyahou, tout en enflammant les rues arabes. Malgré les propagandes de guerre, il est impossible que le Sud global reste les bras croisés devant les injustices de l'Occident, grâce auxquelles Israël a pu, jour après jour, depuis plusieurs décennies, occuper militairement, coloniser civilement de plus en plus, et à présent, affamer, assoiffer, et exterminer des Palestiniens placés dans une souricière à Gaza. Au nom de la démocratie et du savoir, des valeurs universelles, en réalité occidentales, du droit international, édictées par les grandes puissances, The West ne peut plus soumettre le reste à sa barbarie, comme avant, comme au temps des croisades et des colonisations. Et ceci, grâce à la rapidité de propagation des images, les témoignages, mais malheureusement aussi des fake news, sur les réseaux sociaux, qu'il essaie déjà de museler. L'homme, où qu'il soit, a une notion innée de la justice et de l'équité, et on aura beau interdire les manifestations, et même les tweets pro-palestiniens, manipuler l'information, l'Occident va provoquer des sursauts d'humanité, mais aussi de folie meurtrière. L'auteur termine son article en ces termes. C'est l'humanité, qu'on assassine à Gaza, et demain l'enfer sur Terre, atteindra également l'Occident, après avoir détruit la Palestine, Israël, et peut-être plusieurs pays musulmans, si les prétendues démocraties occidentales persistent et signent le soutien sans faille du nettoyage ethnique cruel de plus de 2 millions de Gazaouis, tout en plongeant le monde entier dans une guerre suicidaire et l'humanité dans le désespoir. Par Aziza Benkiran. Merci d'avoir écouté ce podcast de l'ODJ Média, n'oubliez pas de vous inscrire sur notre newsletter quotidienne à partir du portail lodj.ma. Alors, on se dit au prochain podcast de nos internautes invités, et à très bientôt.